Donc, épisode 2, moi c'est toujours ma session de jeu active. Sur 4 quests, je m'amuse vraiment bien. Donc, pourquoi arrêter? Maintenant, ma soeur ne veut pas se réveiller. Aidez-nous, s'il vous plaît. Nous avons que c'est un spectre qui fait tout ça. Dépêchons-nous. Ah, du coup, on peut genre sauter les. Voilà, on peut directement. Parce que sinon, ça va jamais en finir. C'est pas mal comme quête, malgré tout. Hein. C'est dans un univers assez mignon et tout, mais dites-vous, dans un jeu genre plus Elder Scrolls et tout, il pourrait y avoir des bonnes idées. Hein. Je trouve les idées vraiment intéressantes. Et du coup, voilà, je sais plus ce que je voulais dire. Vous devez arrêter de vous mêler de tout ça. C'est la dernière chose qu'il me reste d'elle. Merde. Oula. Oula, 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 oula. Bon, faut prévenir là. Hein. On attaque pas les gens comme ça. Ouais, ils font mal, ils font mal, ils font très mal. Je suis mort. Enfin, je m'attendais pas du tout à ça. Je vais me défoncer. C'est un peu le son, ça me paraît un peu fort. J'espère que ça n'a pas capoté ma vidéo précédente. Salut toi, tu vas me faire passer un niveau, s'il te plaît. Ah, presque. Alors, toi peut-être. Putain, il y en a un autre qui s'est ramené là. Barre-toi. Wow, ils font super mal eux. Oh, ça en a gros au moins un seul, enfin. Je me concentre. Oh purée, je vais mourir. Oh là là. Attendre que son piège disparaisse. Ouf, ok, j'en ai eu un. Lui, le petit renard là, peut-être qu'il pourra me faire regagner un peu de vie. Enfin, ça, il m'en fait perdre. Ok, il m'a tué. Génial. Dur, dur, dur. Allez, on va y arriver. On y croit, on y croit. Allez. J'ai rien de régène entre deux, c'est pas grave. Sauf si je meurs avant, lol. Oh là 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 là. C'est n'importe quoi. Pardon. J'en vais éliminer ceux qui sont là, qui pourraient les faire chier. Allez, les sortes de moutons, je sais pas ce que c'est là-haut, là. Oh là là, ils m'ont tué, mais n'importe quoi, je fais n'importe quoi. Oh. Ah, et dès qu'on devient un peu entouré d'ennemis, ça devient vraiment chaud patate, hein. Je suis sûr que je peux passer à niveau 14, ça m'aidera un petit peu mieux, là, pour les affronter, là. C'est un peu les patterns des monstres, hein. C'est comme Dark Souls, hein. Faut pas croire. Hein. Faut pas croire. Allez, ça va pas du bien.
Ok. Salut. Allez, venez. Non, mais je suis perdu. Ah, décidément. Après, retourner, ils sont blessés. Je sais pas pourquoi il y a une tête de mort sur eux, ce que ça veut dire. Oh, toute la vie que j'ai perdue là. Oh, yo, 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 yo. N'importe quoi. J'enchaîne les game over, mais dingue quoi. J'ai combien d'or 186. Je sais pas si je peux améliorer un sort. Un sort de régène, ça serait bien. 350, 250, 200. Putain, j'ai rien quoi. Je n'ai rien, rien, rien. Allez-vous là. Tac. Toute la vie qui m'a retiré. Oh. Ouais, on va éviter hein. Merci d'avoir assez d'or pour récupérer ses sorts. Si c'est gagné un niveau ou deux, ça serait pas du luxe. Pas du bon bouclier. Ok. Moi aussi, je peux faire du feu. Hein. On balance ton sort. Voilà. Pas assez de mana. Salut. Le maître nageant la nuit, c'est moi, Yao, c'est tu que nous sommes. D'accord. Niveau 20, on oublie. Je vais pouvoir m'en régénérer ici, tiens. Tac. Je sais pas, j'ai pas regardé le temps de vidéo là, enfin peu importe. J'ai pas fait grand chose à vrai dire. En termes de contenu, en termes de quête, en termes d'histoire. De toute façon, le dragon il est trop costaud, je peux rien en faire. Niveau 14, parfait. Allez, non c'est pas la forge que je voulais, c'était plutôt un truc d'arcane. Temple des arcanes plus précisément. On profite pour explorer un petit peu. Non, lui, pas maintenant. Je vais même pas faire ça. 250. Là c'était combien déjà? 200. Bref, on va faire ça. On va renforcer le truc de feu. Que ça pourra m'aider offensivement parlant. On se régène. Et on sauvegarde par la même occasion. Et on va réessayer de buter le mage là-bas. J'ai bien commencé lui. Ah bah
lui, après il essaie de se dire, mais je peux, m'en passer pour l'instant. Oh la vache! Faut que j'arrive à l'isoler déjà, ça, je pense que c'est une bonne strat. Mais il fait quand même mal, hein. Barrez-vous les renards. Barrez-vous les sbires. Allez, je vais te la voir. Ok, j'ai eu. Allez. À vous. Ils sont chiants, eux, hein. Ok, un de moins, il m'en reste plus qu'un. Waouh, waouh, waouh. Pas le con Philippe. Putain, barre-toi, toi. Ok, quelque chose me dit que ce n'est pas la dernière fois qu'on le verra. Oui, bon. Pourtant, dans la ville, j'ai un pressentiment. Il y a fait niveau 15, ça c'est bon, par contre. On se régène, on sauvegarde. Ok. Ça fait plaisir qu'on arrive à passer un... On va dire un boss, un mini-boss. Ça veut dire qu'on progresse alors qu'avant on avait échoué. Allez, petit niveau 15. On n'est pas loin, bon, on va l'avoir avec, avec la quête remplie. Merde, c'est pas là. What? Putain. Ok, il faut avoir un livre, j'ai l'impression. Niveau 15, parfait. Le livre, ah, niveau 20 quand même. Hein. On va faire d'autres quêtes qui demandent moins de... Enfin, qui sont un peu moins élevées. Plus par là. Ouais, faut que je redescende là. Salut les saumons. Y a-t-il des quêtes ici? Oui. Recherche du mage, niveau 8, parfait. Nous avons découvert quelque chose à propos du chef mage. Venez me voir maintenant. Salut. Un sort ancien a été lancé sur le chef mage. Le sort a bloqué son énergie magique dans des fioles. Quoi? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On a créé une potion qui donnera son énergie magique au chef mage quand il la boira. Ok, merci. Mais on ne sait pas où il est. L'énergie magique n'arrêtait pas d'essayer d'aller à un endroit pendant qu'on crée la potion. Je marquerai l'endroit pour vous. Merci, c'est gentil. On se régène un peu. Tac. Ok. Je sais toujours pas à combien de temps de vidéo on est. Je vais essayer de, ouais, de faire ça assez rapidement. Quoique, tout dépend de mes... Si j'arrive à jouer, à bien jouer ou pas. Oh bah putain, j'ai défoncé en moins de deux. Qu'est-ce que t'as à dire, toi? Comment qu'il s'est excité. Il n'y a personne ici. Mais je peux voir des traces. Il a juste pris le long chemin. Avoir perdu son énergie magique et dû barbouiller son cerveau. Putain. Deux ?
Éliminez tout ce qui se trouve à l'intérieur. Votre mission. Comme pièce d'or. Des coffres. Une épée. Ah du coup ça augmente le niveau de mon épée que j'ai actuellement. Cool. J'ai l'impression, non, je crois. Niveau 3, on va voir. On dirait que tu avais besoin d'une clé pour ouvrir ce coffre. Fuck. Alors du coup... Ouais, ça j'ai l'impression niveau 3, c'est ça. Si on trouve les mêmes items dans les coffres, ça augmente le niveau de... Fais gaffe, ils sont costauds. Ah, quoi, non. Ils sont à un niveau plus réduit. Donc c'est cool. Ok, non, il y a encore des monstres là-bas à éliminer. J'aime bien le fait que les quêtes ont des... Enfin, c'est pas une quête exclusive, voilà, il y a une progression en fait. Vous faites une bonne quête, vous devez revenir plus tard. Et ça la poursuit, voilà, c'est pas que des petites quêtes de merde. Qui ont pas vraiment plus d'intérêt. Après lui. Mais j'aime bien en fait. Ça donne plus de profondeur justement à ces quêtes-là. Alors, est-ce qu'il faut que j'aille jusque à l'autre sortie? Enfin, il y a le truc avec le village miroir, je trouve ça vraiment sympa en fait. Là, c'est pareil, c'est la suite d'une quête que j'avais fait, je crois, précédemment. Toi là, avec la coupe de cheveux bizarre. Il ne répond pas. Vite, donne-lui la potion. Tu m'as sauvé, merci. Nous sommes ici pour sauver le roi. Vous savez ce qui lui est arrivé? Un chat blanc est apparu dans la capitale et a maudit le roi. J'ai essayé de l'arrêter, mais c'est comme ça que j'ai perdu ma magie. Quand est-ce qu'on peut détruire la malédiction? Je vais découvrir comment. Mes mages vous contacteront. Prenez ça en gage de récompense. Un bâton! Tous les mages ici se ressemblent, là. Bon, putain, il est raciste, en plus. Ok, cool. Eh bien, accueillons de faire des quêtes. C'est un forgeron. Ouais, ça serait bien, ça. Bon petit équipement. Une nouvelle armure révolutionnaire. Oui, Valérie. Un paquet qui est encore à Powerst. Alors, faut aller où, là? Genre, c'est loin. Damn. Damn. On brûle la forêt. Non, c'est juste là. Ça, c'est niveau 15. Hein, je ne sais pas ce que faire. Pas de soucis, j'arrive. Putain, à tous les coups, il est mort. Le paquet, il est perdu. Voilà, nous avons envoyé un chariot avec le paquet, mais nous n'avons plus eu de nouvelles depuis. Regarde, il y a des mêmes traces sur le sol que nous pouvons suivre. Évidemment. Évidemment. Caverne, évidemment. Hop. Nettoyons ça par la magie, soit par les attaques physiques. D'accord, fais attention à la couleur des chiffres qui apparaissent. Ok, c'est que maintenant que vous me dites ça. Alors, j'ai rien compris, mais... Ouh, les ruines anciennes. Oula, c'est quoi ça? Armure de tank poilu. Parfait. Je
pense que le chariot était mangé par ces monstres. Qui devait être tellement triste. Allons faire notre rapport. Putain. Est-ce que je les trouve les clés? Tiens, je vais faire ça. À moins que ce soit pour une quête, mais. Au pire, on aura quand même d'y revenir, c'est pas grave, ça me fera un peu l'XP. Oula, petit lag là. Poum poum poum. Oula. Tic 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 tic. Wouah, qu'est-ce que c'est que ça? Wouah, c'est des costauds. J'avais un grand drame à aventurer dans des grottes comme ça. Non, c'est pas grave. Kit Kat. Ah non, faut que je la refasse, allez vous faire foutre. Ah mais oui, puisque je suis mort dans la plaine. Bon bah, let's go hein. Bon, on va faire la quête de Kit Kat et puis je pense que je vais m'arrêter là pour l'épisode 2, ça peut faire un petit moment déjà. Après, même si je meurs, je perds pas ma progression, c'est-à-dire que l'XP que j'ai gagné, elle est conservée et tout, donc ça c'est cool. C'est juste chier de refaire la même chose que la même faire, quoi. Après, c'est pas non plus complètement perdu. Ça, c'est bon à savoir. Tac. Et bon, là, j'ai voulu flâner un petit peu, et puis là, ça m'entendra. Tac. Voilà. Alors, vous avez trouvé mon paquet? Non, il dort avec les poissons. No! La nouvelle saison, jeu de château, je l'attendais tellement. What? On ne saura jamais s'il n'y a rien à l'industère. Tu as le gouverneur de Patteville. Ok. Voilà votre récompense de toute façon. Cool. Plein de chevalier. Ok. Eh bien, faisons d'autres quêtes. Genre la suite de l'apprenti forgeron. Ok. Yo. Des bandits m'ont cambriolé et ont volé le paquet de kits. Putain, tu te fiches de mon museau. Il n'y a qu'un endroit où les bandits auraient pu aller. La caverne des bandits. Oui, ça ferait un peu sens. Au repère des bandits. Eh bien, allons à la caverne des bandits. Écoute, on ne peut pas laisser ces bandits vivre après ce qu'ils ont fait. Putain, la vache. Extermine-les tous. Putain, mais les vaches, quoi. La meuf, enfin la meuf. Aucune pitié, quoi. Exterminez. Jeu pour les moins de 12 ans. Casque pourri. Au moins, ça le mérite d'être clair. Yo. Voilà, au revoir. 98 XP, c'est bon, ça. Hop.
Ça leur apprendra à chercher à s'embrouiller à la patte de Kit. Mais on dirait que le collègue de Kit n'est plus là. Putain. Juste beaucoup d'or, de trésors inutiles. Bon, rentrons avec les mauvaises nouvelles. Décidément. Un coffre, mais il faut une clé. Allez vous faire foutre. On va rendre la quête et puis je vais m'arrêter là pour l'épisode 2. Je vais continuer pour un troisième épisode où je pense que je ferai encore des quêtes malheureusement. Je resserrerai pas le dragon, peut-être pas avant le niveau 20, enfin je sais pas, je verrai bien. Je vais bien voir. Je suis désolé Kit, mais le paquet a été volé. No. Blablabla, bla, bla. En fait c'est juste des séries télé qu'il faut. Ok, ça augmente le bâton, mais je m'en sers pas moi du bâton, je suis avec 5 foot. Niveau 17, ouais, ok, bon je vais m'arrêter là pour l'épisode 2, je vais continuer ma session pour l'épisode 3 où je vais passer le niveau 20 et essayer de battre le dragon, ça serait bien. Voilà, merci et à très bientôt. Salut!